Certificat d'études primaires, les épreuves écrites se déroulent depuis ce matin. À l'école publique d'Akwa à Douala, nombreux sont les candidats qui abordent pour la première fois cet examen. Et pour combattre le stress, ils se sont fait accompagner par leurs parents. Comme c'est ma première fois de composer, j'avais un peu peur. J'ai demandé à ma maman de venir m'accompagner. Ma mère m'a accompagnée ce matin, mais moi je me suis sentie bien. Ici, des dispositions ont été prises pour contenir les guides. Le matin, nous avons déployé une équipe de surveillants dès 6 heures qui ont reçu les enfants au portail et ont demandé aux parents d'attendre à l'extérieur, sous l'aide aussi du vigile de l'école et de la police. Il n'y a aucun parent qui a voulu entrer parce qu'ils avaient déjà eu les informations qu'ils en voulaient au préalable, à la veille. Au sous-centre École primaire catholique Saint-Nicolas de Ndokpassi 2, les parents des candidats sont présents, pareil constat. Ils sont venus nombreux soutenir leur progéniture. D'abord, la distance est longue et l'enfant est tellement usé, on ne peut pas le laisser seul. Juste par mesure de sécurité, avec les embouteillages et la traversée de la route, puisque nous sommes loin. Je pense que le rôle d'une maman, c'est d'accompagner son enfant jusqu'au bout. Donc pour nous, c'est une preuve de montrer encore à nos enfants que ce soit dans les pires, que ce soit dans les bons moments, nous serons toujours avec eux. Une autre catégorie des accompagnateurs a été remarquée au centre logé dans l'enceinte de l'école publique d'application de Ndorbé. Il s'agit des frères aînés des candidats. Bon, je suis venue accompagner mon petit frère qui est aussi à l'école publique Ndorbé, qui est venu composer le CEP. Pour moi, c'est un moyen de l'encourager puisqu'il est aussi passé par là et éviter certains accidents. Je suis venu accompagner mon petit frère. Oui, par mesure de sécurité, en plus au quartier loin. CEP 2017, tout se déroule dans la paix grâce à la cohésion qui existe entre les parents et les responsables des centres à Douala.